Ouais, c'est bon. J'ai compris. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4.1.18, l'épisode où je vais devoir utiliser un code dès le début parce que l'Universal Pokémon Randomizer a décidé de faire n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Mais c'est très simple, pour une raison inconnue, vous voyez, j'ai créé la run dans l'épisode précédent, enfin dans l'épisode 4.0, etc. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que Desmume n'a pas envie de la lancer, la run. Je fais open et je choisis la ROM et rien ne se passe, écran blanc. Et j'ai refait plusieurs fois en me disant que j'avais fait une erreur de manipulation. J'ai essayé de reprendre une run que j'avais déjà faite et de juste changer le starter, ça marche pas. J'ai essayé une version antérieure du randomizer, ça marche pas. Et c'est bizarre parce que tout le reste fonctionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une version blanche tout à fait normale et que j'ai mis un code action replay qui va me permettre de changer mon starter. Donc j'espère qu'il va fonctionner. On verra ça. Je ne lis pas le truc parce que c'est le même que dans Noir et Blanc. Dans Arme du Demandeur en fait. Donc on me suis dit que ça servait à rien de répéter. Enfin c'est le même à part où quand elle parle de Tyrion et Bianca bien sûr, mais. Sinon c'est la même chose, c'est pas marrant. Et j'ai déjà choisi qui je serai et comment je m'appellerai. Donc ça va plus. Ça ira plus vite que dans Noir 2. Alors. Tac, tac, tac. Voilà, Melinda. Pourquoi Melinda? Parce que Melinda Gordon est le nom du personnage principal de la série Ghost Whisperer. Et en fait, c'est une femme qui parle aux fantômes, qui voit et qui entend les fantômes, qui peut leur parler, qui les aide à aller vers la lumière. Voilà. Je vous importe. Et ça s'appelle Melinda Gordon, d'où le nom de mon ectoplasma dans 18 1. Et d'où le nom de ce personnage dans 18 4. Et c'est aussi le nom de mon ectoplasma shiny, donc on a l'air de dire que c'est la même chose, mais que c'est quand celle-là est morte, ben c'est devenu un ectoplasma shiny. Et nous allons pouvoir commencer la version blanche. J'espère très franchement que le code qui va changer mon starter va marcher, sinon je serai très déçu. Et c'est parti pour les voix. Melinda, le professeur Ketelleria a dit que nous allons recevoir des Pokémon. Et Bianca, elle est encore en retard. Non, tu croyais quoi? Franchement, tu croyais moi. Désolé, je suis encore en retard. Bianca, comment dire? Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme, qui est, disons-le, plutôt long. Mais c'est aujourd'hui que le prof Ketelleria distribue des Pokémon. Alors dépêche-toi un peu. Oui, c'est bon, j'ai dit que j'étais désolé. Bon. Melinda, ils sont où les Pokémon? Ils devraient déjà être chez toi. Oui, ils sont en face de toi, il y a une boîte. Bianca, regarde autour de toi, s'il te plaît. Donc c'est toi qui vas choisir le tien en premier. Oui, ça c'est normal, cela va sans dire. Dans cette boîte, 3 Pokémon nous attendent. Va Melinda, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Oui, avant ça, option. Je ne supporterai pas une minute de plus de ce texte lent. Animation combat avec 6 de combat, choix, stéréo, mono. Je préfère Mona, on s'en fout. Je vais sauvegarder. Parce que la sauvegarde c'est la vie et surtout parce qu'il faut que le code fonctionne à la base. Et donc si j'ai bien compris il faut maintenir Select et L. Je vais maintenir Select et L. Ouais. Tu trouveras joint à cette lettre 3 Pokémon. Avec tes amis, choisissez chacun le vôtre sans vous disputer. Amicalement, le professeur qui était derrière. Merveilleux. Et je vais choisir Vipulaire. Merveilleux. Je prends celui-ci. Et pour Tyrion, c'est ça celui-là. Dis-moi, depuis quand tu prends les décisions pour moi? Bon, ok, c'était celui que je voulais depuis le début, mais quand même. Bon, tout le monde a son Pokémon. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est l'heure d'un combat. Bianca, si je puis le permettre, ce n'est pas parce qu'ils sont encore faibles qu'on le pousse à s'autoriser ce genre de fantaisie à l'intérieur. Mais non, on t'y connaît rien. Oui, bien sûr, dis ça, Tyrion. Surtout quand t'es Bianca. Ils sont encore tout mimi et faiblards. Si on les fait pas se battre, ils pourront jamais devenir forts. Allez, Linda, en garde. Ouais, Bianca, le seul combat que tu peux espérer gagner. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Non, qu'est-ce que je raconte? Seul combat qu'elle peut espérer gagner, mais non. Elle va pas gagner. Si ça a marché, elle va pas gagner. Je vous le dis tout de suite. Ça a marché. Yes. Ok, bon, ça c'est fait. Et c'est une femelle. Et ça a 24 PV, c'est normal. C'est une bonne base plate impériale. On regardera ses stats après. Ça a marché. Donc j'ai un Vaudriv avec constriction et Lilliput, mais ça on s'en fout. Bon, ça va prendre mon temps, mais voyez le truc.
Vous voyez à quel point ça va prendre longtemps? Ben voilà. C'est parti. Alors, vous savez quoi, je pense, si j'y pense, je vais vous faire cette partie en accéléré parce que... Bon, je pense que je lui fais perdre un PV à chaque attaque. Hein. Eh ben, ce Mestillon avait 18 PV, heureusement, parce que on a déjà vu pire. 43 points d'ex, c'est pas normal. 43 points d'ex, what? Et... Ouais, non, en fait, c'est logique, je pense. Je... Ouais, c'est non, 43 seulement. Eh ben, Melinda, bien sûr, j'ai comme le pressentiment que tu vas donner un super dresseur. Bianca, t'as regardé autour de toi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? À toi de me dire. Les Pokémon ils rigolent pas, hein. Pourtant ils sont si petits et mimi. Je suis trop contente de l'avoir enfin. Melinda, tu te fâches pas, hein? Non, tu viens juste de saccager ma chambre et la télé à écran plat que je venais d'avoir, mais c'est pas grave. Tu es irrécupérable, Bianca. Prête-moi ton Pokémon que je guérisse. Réussir à gagner sans faire diminuer les PV de son Pokémon, autrement dit son endurance, quel exploit! Eh, je savais même pas qu'il existait ce texte! On apprend tous les jours. Mais les PP pour un pouvoir donc diminuent forcément. Je savais même que ça existait! Cool! Enfin, ben, j'avais jamais battu Bianca ou Tyrène sans prendre de dégâts, puisque ouais, c'est logique. Et si tu faisais un duel avec Tyrène aussi? Comme il est super balèze, je suis sûr qu'il pourra te battre, se battre sans même sans mettre un bazar comme moi. Pourquoi j'ai fait ces voilà, bon, c'est pas. Excellente idée. Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, aucun risque que cette chambre souffre davantage. Et puis, ce sera injuste qu'il n'y ait que vous deux pour en profiter. Très bien, je relève ton défi, le frisson de la première fois. On parle bien de combat là, hein. Grucui, donne tout ce que tu as. Et c'est reparti pour un accéléré de la mort. Parce que ben, Grucui, ça a de bons PV. Donc ça en a sûrement 21. Olé. Je crois en toi, Baudrive, je crois en toi. Tu peux faire deux PV en un coup, je le sais au fond de moi. Mais soit, est-ce qu'elle est... J'ai quand même envie de vérifier cette date, mais je le ferai pas, je veux le faire après. Cool. Il a fallu quand même une vingtaine de coups pour... Ouais. Hey. Il a fallu 7 coups pour celui-ci, donc il a fallu 24 coups pour faire un coup critique, ça va encore, et il a fallu 25 coups pour faire faire baisser sa vitesse, et logiquement ça arrive une fois sur 10, donc voilà. Ouais, on dirait qu'il a fait plus de dégâts sur celui-ci, peut-être 2 PV. Oui, ça a l'air d'avoir fait 2 PV. Merveilleux. Apprends quelque chose aussi, sinon je pense que le début de ce truc va être... Ah, plus en attaque spé, c'est cool quand même. Oh, ça c'est bien. Bon, t'as une... faire 45 de puissance sera quand même mieux de faire 10, quoi. J'écoutais de manière imprévue la défaite pour ce premier combat. Mais cette sensation, j'ai déjà devenu dresseur. Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tout ce désordre. Non, elle n'a rien à faire, elle va nettoyer. C'est voilà la personnalité de la mère dans les jeux de règlement. C'est vrai, moi aussi il faudrait...
Oui, complète tes phrases avant et on en reparlera. Alors, voyons un peu notre beau petit baudrier là. Hardine nature. Bon, pas, je pensais que ça était une nature moins attaque. Je vais. Hardine nature. Construction de l'unité de oui. Et alors, délestage. Augmente la vitesse si l'objet tenu est utilisé perdu. C'est cool. Bon, boom final, c'est cool, c'est chouette aussi. Mais j'aime bien le plus dans l'attaque spé parce que ça veut peut-être dire que. Elle a un bon IV, je ne sais pas. 27 en PV, c'est bien, mais Baudry va. Je sais que Baudry va 150 de base en PV, et que c'est énorme. Mais je ne sais pas combien Baudry a. Bah, ça doit être assez gros aussi. Je pense que ça s'approche. Voilà. Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Oui, pour le rangement. Le rangement? Quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai plus tard. Vous ne devriez pas aller le voir le professeur Ketelleria, par contre? Si, vous avez raison. Sur ce, veuillez nous excuser. Nous ne voudrions pas la faire attendre avant de lui présenter le remerciement. Bah, elle va te faire attendre en se représentant à la... mais ça sert à rien aussi. Je vous attendrai devant son laboratoire. Je dois repasser par la maison. On est désolé pour le désordre. Oui, c'est bon, tu l'as déjà dit. Bref. Eh bien, mon bébé, les commandes Pokémon, c'est quelque chose. J'ai entendu vos Pokémon glapir depuis le rez-de-chaussée. Breaking news, les Pokémon glapissent. Est-ce que j'ai conjugué ces verbes correctement? Oui, je pense. Je glapis. Je ne sais pas conjuguer ce verbe. Ouvre, glap, mais non, glap, c'est pas il glap, glapis, il glapi, il glapi, je n'en sais rien, conjugaison, faudrait que j'aille voir. Je m'en souviendrai de ce premier combat, mais j'y pense, il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Non, non, ça sert à rien là, je veux dire, le seul truc qu'elle a, c'est qu'elle a perdu, c'est des points de pouvoir. Et Avokit, c'est cool. Toi aussi, il faut que tu ailles remercier le professeur, n'est-ce pas? Allez, file. Oui, bon, merci pour le bon drive avec construction, quoi. Je crois que j'ai gagné mes deux combats. Hein. Chauve-sourire. Alors, voyons. Ceci est la maison de Tyrell. Ouais. En même temps, il y a trois maisons dans le... Il y a quatre maisons dans le village. Ma maison, celle de Bianca, celle de Tyrell, le labo. Ouh. Au moins, à bon augure, il y a des gens qui m'aiment. Oh, Melinda, j'ai appris que tu devais recevoir un Pokémon du professeur. Mais tu l'as déjà, il est vraiment mignon. Bah oui, bon drive, c'est mignon. Tu vas toi aussi enfin pouvoir être dresseur et partir à l'aventure. Je vais te donner ce qui est pour moi le véritable secret de l'exploration. Attention, le secret c'est maintenant, hein, dès le premier épisode. N'oublie pas que le plus important est le bouton X. Ouais, bof, m'attendais à un autre secret que ce genre-là. Oui, bon, le plus important, le bouton X. Non, moi je pense que le plus important c'est le bouton A, perso. Hein. Parce que tu peux peut-être gagner le jeu sans utiliser le bouton X, mais peut-être pas sans utiliser le bouton A. Hein, peut-être pas. J'espère que vous resterez bons amis avec Tyrell. Je sais qu'il est un peu très ouvert et parfois un peu garé. Bah oui. Le numéro 1 de surprise. Après les résultats de notre enquête indépendante, Melinda de Renouer aurait échangé 0-1 en jouant à 9 surprises. Alors Melinda, ça roule. Merci la télé qui me parle à moi directement. C'est... Oh, il y a la télé dans la chambre de Tyrell. Ah, oh, il est sur les dessins animés sur Tyrell. Ah, on sait comment le faire plier maintenant. Dessin animé Melinda Jones Dresser. Vous êtes sérieux? J'ai commencé ma carrière à 5 secondes. Les merveilleuses histoires de la jeune Melinda qui décida il y a un an de partir à l'aventure pour devenir maître Pokémon. Bon, ok. On va dire qu'elle a décidé il y a un an, mais qu'elle a eu son Pokémon que maintenant. C'est normal. Ouais. Elle attendait que Tyrell et Bianca soient majeurs, on va dire ça comme ça. Maintenant, s'il faut attendre que Bianca soit majeure dans son esprit, là, on peut encore attendre longtemps. Et c'est comme ça. Ah oui, bien sûr. Lui, il va s'extasier parce que la science est formidable. La science est magique, vous voyez. Avec l'infrarouge, on peut faire plein de choses en un clin d'œil, sauf quand t'as une R4. Même pas le temps de dire ouf. Oh, si, quand même pas, faut pas exagérer. À moins que tu veuilles dire ouf un million de fois, alors à ce moment-là, oui. Et attention, scène de ménage. Non, non et encore non. Moi, je suis un super dresseur, j'ai même mon Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Non. Il veut pas. Hein. Ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Bon. Et là, on peut se dire, oui, bon, le père d'Aïd Bianca exagère un peu. Et puis, écoutez ce qu'il dit. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma fille veut partir en voyage avec un Pokémon alors qu'elle se perd dans sa propre chambre. Là, le jeu est en train de vous dire, Bianca. Bianca est débile, c'est normal. Elle-même le sait, tous les gens le savent. Et vont le faire remarquer à chaque fois, parce que sinon, c'est pas marrant.
Pauvre Bianca. Les pères s'inquiètent trop pour leurs enfants. Ils devraient pourtant se rappeler que les enfants entreprennent souvent un voyage avec un Pokémon avant de devenir adultes. Les pères, comme ça, tu généralises. Si ça se trouve, il n'y a que ton mari qui fait ça. Pour l'instant, c'est le seul, je pense que c'est la seule personne dans le monde Pokémon qui veut pas que quelqu'un parte en voyage avec un Pokémon. Et c'est assez exceptionnel pour le faire remarquer. Bonjour, toi. Tu crois que les gens changent en voyageant avec leur Pokémon? Ben oui, ceux qui doivent dire maître, ou oui, je suppose. Sinon, ça ne servirait pas à grand chose. Enfin, je pense. Allez, il faut aller voir le professeur. Pas de problème. Hello, je vous attendais, mes jeunes amis, laissez-moi faire les présentations à nouveau. Je me nomme... On sait votre nom, professeur. Tiren, je te pensais un peu plus cool que ça quand même. Ouch, bah! D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Je recommence donc les présentations. Hein, je suis le professeur qui était derrière, et j'essaye de percer les mystères de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Mais c'est génial, vous avez déjà participé à votre premier combat. Ouais, j'ai gagné. J'induis donc que, que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Mon instinct est infaillible. D'ailleurs, que diriez-vous de donner un mot en Pokémon? Oui, on va l'appeler, on sait ce Boudrive. Looney. Parce que je trouve que c'est joli comme nom pour un Boudrive. Vous voyez, et Loon, ça vient de Balloon, en fait, ballon tout simplement. Et puis ça, le IE, ça fait féminin, quoi, Loon. Je trouve que c'est assez mignon pour un Boudrive, et j'avais ça en tête directement, donc j'ai pas envie de chercher pendant 5 heures, en fait. Je vois. Ça te plaît? Mais oui, bien sûr. C'est un surnom qui claque. Ouais, bon, en espérant qu'elle, elle va pas claquer parce qu'elle mon ballon, j'ai pas envie d'y péter. Bien, j'aimerais maintenant vous aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ces Pokémon. C'est pour le Pokédex. Quoi? Le Poké quoi? Ma parole, t'en as là-dedans, mon petit Chiren, en même temps. On voit tout de suite que tu as passé tout ton temps à jouer aux 4 précédentes générations. Mais je vais me permettre de donner malgré tout quelques explications pour Bianca qui n'a jamais joué à Diamant Perle Platine, même à Rouge et Bleu. Le Pokédex donc, les Pokémon que vous rencontrez, ils sont automatiquement enregistrés. 50% des joueurs n'en ont strictement rien à faire. 45% des joueurs se disent « Ah ouais, c'est très cool d'essayer de compléter le Pokédex » et puis oublient. Et 5% des joueurs essayent de faire un Living Pokédex et 1% de ces 5% y arrivent. Car c'est un outil high-tech, je compte sur vous pour parcourir une liste de long en large avant d'en répertorier toutes les espèces. Alors je vous le demande officiellement. Officiel. Melinda, Tiren, Bianca, partez à l'aventure et complétez le Pokédex. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Ok, bah c'est la seule... Je veux bien partir à l'aventure, mais le Pokédex, non. Oui, bah oui, évidemment. Merci de votre confiance. Grâce à vous, un nouveau dresseur est né. Non, parce que les deux autres à côté de moi, ils servent à rien. Hein. Je veux dire, c'est pas des nouveaux dresseurs. Nickel, les enfants. Voilà une réponse comme je les aime. J'aime bien qu'il y ait Téléria parce que c'est... Je veux dire, c'est une fraîcheur absolue dans le monde des professeurs Pokémon qui sont toujours un peu... Et après, bon, alors, prof Platane, alors là, c'est le comble, là. C'est le saut. C'est le sommet de l'opposé de tout du prof Shen, le prof Platane. Pas dans le sens où c'est pas une bonne personne, etc. Mais c'est le type qui est beau gosse comme ça, qui est absolument nul en combat. Et enfin, je sais pas. Mais le prof Platane, il est super classe, j'adore. C'est un des seuls trucs bien en sixième, en fait. C'était encore ma troll sur la sixième. J'aime bien faire des trolls sur la sixième. Je vais vous apprendre comment rencontrer les Pokémon. Non, pas la peine. Pitié. Oh, ok, d'accord. Ça, je l'accorde. Je l'accorde, mais de loin, la première et deuxième génération pour ça c'était bien. Il y avait aucune obligation pour faire les tutos. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre service, hein, on peut. Et on peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire, hein. Mais oui. Je pense que nous pouvons voyager à notre 10 quand nous complétons le Pokédex. Bon, même si c'est dans un an. Enfin, je veux dire, il a déjà fallu un an pour prendre la décision. Alors, Bianca, pour la prendre la décision de compléter le Pokédex, il va falloir, à mon avis, un an et demi. Hey, attends-moi. Mais c'est bon, j'ai juste fait un mètre. Ah, vous voilà. Alors, que vous a dit le professeur? Elle vous a demandé de compléter le Pokédex. C'est formidable. Que c'est excitant. Mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant. Elle était dans le secret. C'est pour ça que j'avais préparé ces cartes. Elle devrait bien servir. C'est merveilleux, une carte. Tiens, Jiren. Mais nous en prendrons grand soin, madame. Et voilà pour toi, Bianca. Oh, vraiment, ça me gêne. Merci. Je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé. Et là, la moitié des gens qui regardent cette vidéo souhaiteraient qu'on ait la même mère, c'est ça? Hein? Non. Enfin, tu vis la mi-génie, là. Oui, bah oui, t'as foutu le bordel dans ta chambre, mais je vais ranger, y a pas de problème. Je pense que ça se passe pas toujours comme ça. J'ai pas. J'ai pas dû faire un rangement de chambre intégral depuis très longtemps, et je pense que je devrais plus jamais le faire. Mais quand même.
Et on n'a pas les coches sur la coupe. Mais je t'avais pas vu, toi. Qu'est-ce que tu fous dehors? Quelle heure il est? Il est 20h. Bon, dommage. Non, parce que sinon j'aurais pu dire que ça me réchauffait le cœur de voir les entendre dehors après 9h. Ça vient de Bob l'éponge. Il y a plein de Pokémon et des gens différents dans le monde, il paraît. Rien que t'entendre un truc comme ça, ça me donne des frissons. Eh ben écoute. Tant mieux. Melinda, c'est par ici. Oui, en même temps, il n'y avait pas vraiment d'autre chemin. Bianca dit que quitte à partir en voyage, elle préférait que l'on fasse ses premiers pas tous ensemble. C'est pas faux, c'est une bonne idée. Hé, Melinda, si on allait ensemble la route 1. Oui, Jiren vient de m'expliquer, mais elle est à un métro de combat de retard. Sur ce, allons-y. Tous en cœur. Ouais, tous en cœur, d'accord. Vois sur ton chemin, gamins oubliés et garés. Ouais. Ah là là, je me sens toute chose. Eh ben, s'il y a que ça, il y a que ça à faire pour te sentir toute chose, tu peux faire des allers-retours. Ne fonçons pas attendre le professeur plus longtemps. C'est vrai. Professeur Ketelleria, pardon de vous avoir fait attendre. Je peux commencer mes explications. Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante de votre Pokédex est automatiquement créée. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées. Et comme un bon exemple, vaut mieux qu'un long discours, je vais capturer un Pokémon sous vos yeux. Attention les mirettes, un ratentif niveau 2 sauvage apparaît. Exact. Et elle a un Chinchidou niveau 7. Parfait. Écrase-face et ça met presque le ratentif KO. Il va survivre avec quoi? 2-3 PV? Je fais ce que je peux pour me distraire pendant ce tutoriel qui manifestement ne sert pas à grand chose. Alors, je sais pas trop jusque quand je vais. Je sais pas trop quand je vais m'autoriser un deuxième Pokémon. De hacker un deuxième Pokémon. Parce que bon, en le faisant en solo, ce serait peut-être un peu compliqué vu que je pourrais pas me soigner. Mais bon. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite de les transporter partout. Bon, je pars devant un Rabel. À tout à l'heure. Oui, j'ai oublié de préciser, bien sûr, que. Elle a oublié de dire que les Pokémon chassaient des hautes herbes. Que bien sûr, la contrainte appliquée à cette run sera que je ne peux pas m'acheter. Je ne peux pas. Bianca, arrête de me. Oui, non, t'as pas une bonne idée. Mais je ne peux pas me soigner en combat. Donc je peux pas utiliser d'objets de soins en combat, donc c'est-à-dire pas de choses dans les potions, limonade, etc. Pas de choses qui soignent le statut, genre anti-brûle ou total soin en glace volute ou peu importe. Et pas de choses qui remettent les PP non plus, pas le droit. Mais tout ça en combat. Hein. Hors combat, j'ai tout à fait le droit de le faire, j'ai aucune limitation, etc. Et en combat, je peux quand même utiliser les rappels. Voilà, j'essaierai de le faire le moins possible, de pas trop en abuser. Mais je peux utiliser les rappels parce que sinon, enfin je veux dire, il faut quand même que je gagne le combat. Quoi. Alors Melinda, on compare qui a le plus de Pokémon? Oui, tu vas me dire que j'ai toujours mon Vipélire, que il va s'ennuyer tout seul, même si c'est pas un Vipélire. Ah, t'as toujours que ton Beaudrive. Mais si t'as pas d'autres Pokémon, ton Beaudrive va s'ennuyer, non? Elle s'appelle Looney. Je sais que c'est pas un nom super original, je sais que c'est pas un nom super cool, mais appelle-la par son nom, elle en a un. Est-ce que t'aimerais que je t'appelle humaine? Non, alors appelle-la par son nom. Bref. Tant que j'y pense, en consultant le Pokédex, il est possible de vérifier le nombre de Pokémon vus ou capturés jusqu'à présent. C'est bon, le prof Ketelleria est parti, on n'a pas besoin d'un autre tuto, Jiren. C'est très gentil de ta part, mais pas besoin. Hello, vous allez bien? Bah écoute, ouais, enfin je veux dire, ça fait juste 1 minute 30 que t'es parti. Il ne s'est pas passé grand chose. Vous devriez vous être familiarisé avec vos Pokémon maintenant, ou non? Oui, c'est qui parle? Ah, c'est Bianca qui a parlé. Oui, professeur. Je vous attends au centre Pokémon d'Arabelle. J'aimerais vous le faire visiter, alors dépêchez de venir. Compris, les centres Pokémon. Parfait, à très vite. Quand j'ai vu ça la première fois dans Noir et Blanc, moi j'ai fait sophistication. Et j'étais content, je trouvais que c'était cool. C'est pas tout ça, je pars devant. Enfin, je veux dire, je trouvais ça extrêmement classe. C'était tout. Je m'attendais, mais à tout sauf à ça, après avoir joué à Diamant, Perle, Platine, Argent, Silver, vous voyez ce que je veux dire. Qui était encore assez, je veux dire, traditionnel dans le truc. Noir et Blanc a révolutionné entre guillemets beaucoup de choses. Mais je veux dire, il y a des choses qu'on voit que dans Noir et Blanc. Par exemple, les. Quand on voit le sprite de face de N, enfin, l'artoire de N plus ou moins, quand il nous parle de face,
Il n'y a que ça dans Noir et Blanc. Il n'y a que ça que trois fois, mais il n'y a que dans Noir et Blanc qu'il y a ça. C'est cool, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit détachement qu'il y avait dans Noir et Blanc. Parcourir les routes avec ces Pokémon, c'est cela la joie d'être ta sœur. Mais avant toute chose, il faut te présenter les endroits les plus importants pour ma sœur. Le centre Pokémon, je connais. Pitié, c'est la quatrième fois que je fais une aventure sur un Let's Play. En fait, c'est la cinquième si on compte prendre les obscurs. Ceci est un centre Pokémon. On ne se sent mieux rien qu'en y entrant. Laisse-moi te faire visiter. Là, c'est le centre Pokémon. Là, c'est le magasin. Moi aussi, je veux voir. En fait, là, quand elle me dit ça, je m'imagine Bianca qui, dont la tête arrive juste un peu au-dessus du comptoir et elle essaye de sauter comme ça. Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans les centres. Tenez-vous bien. Il est possible de guérir les Pokémon et gratuitement. Je l'avais dit, elle gueule gratuitement. Là, il faut vous imaginer qu'elle était là, elle gueule gratuitement comme ça. Ce sont les meilleurs alliés des dresseurs. Melinda, courage, essaye donc. Non. Pars donc à la gentille dame. Non, j'ai peur. Bon. Et attention. Bianca est stupide, indice numéro 2, dans quelques instants. Nickel Crow, ton équipe est en pleine forme. Bon, il est temps, je t'explique le fonctionnement du PC. Je vous présente le PC, utilisable par tous les dresseurs. On peut y déposer ses Pokémon ou au contraire retirer ceux qui y sont stockés. Tant que j'y pense, vous ne pouvez avoir que 6 Pokémon dans votre équipe. Tout Pokémon supplémentaire sera automatiquement transféré dans le PC. La science ferait vraiment des miracles. Je le vois sur vos visages, vous n'en revenez pas. Si vous choisissez PC du prof, je vous donnerai mon avis sur votre Pokédex. Professeur ? Sur l'écran, PC de point d'interrogation, ça veut dire que c'est le PC de qui? Bianca, je suis surprise, je ne pensais pas que tu remarquerais. Et c'est une question intelligente, tu ne poses que des questions débiles d'habitude. Mais pour le moment, je vous demanderai d'utiliser le PC en faisant comme si de rien n'était. Hein. Ne s'en faites pas, ce point d'interrogation est juste un voleur de Pokémon notoire qui va vous voler tous les Pokémon que vous stockez. Il n'y a aucune crainte à avoir quand vous ne savez pas le Pokémon de qui vous stockez vos trucs. Ce point d'interrogation est le nom de la personne qui a inventé le système de gestion de vol de stock de Pokémon en ligne. Un jour viendra où vous la rencontrerez. Bref, passons à la suite. Voici maintenant la boutique Pokémon. Non, ça s'appelle un magasin. Vous pouvez y acheter des... Enfin, je sais que c'est la même chose, mais d'habitude j'appelle ça un magasin, c'est pour ça que je sais. Vous pouvez y acheter des objets bien utiles et vendre ceux dont vous n'avez pas besoin. En plus, les vendeurs sont toujours tout sourire. Parfait, parfait. Avec ceci, vous avez les rudiments du savoir de tout dresseur digne de ce nom. Je vais retourner à Redouet. Une dernière chose, j'aimerais que vous rencontriez. Bon, j'ai du mal aujourd'hui. Oriz, une admiratrice qui vit au Goès. Je suis sûr qu'elle pourra vous aider. Sur ce, bonne chance. J'espère que ce voyage vous fera grandir et vous apportera plein de choses. Alors, là, vous pensez peut-être que l'hésitation extrême dans Pokémon, c'est quel starter je vais prendre. Au feu, plante, Bulbasaur, Carapuce, Salamèche. Non, non, l'hésitation extrême, c'est ça. Potion ou Pokéball? Écoutez, ce que je fais souvent, c'est que j'achète le même nombre de chacun d'entre eux. Je vais acheter 8 comme ça. Et 8 comme ça. Et ça fait 0, tout pile. J'aime bien avoir 0 au début. Alors là, il va avoir le discours de haine, etc. Mais avant, je vais monter niveau 7. Parce que c'est le niveau du chakra de haine. Je vais être à peu près au même truc. Donc ces potions, je ne peux pas les utiliser en combat. Mais je peux les utiliser pendant. Et pas pendant, mais je peux les utiliser quand même hors combat, et donc c'est quand même bien d'avoir le plus possible. Et justement, ton équipe Pokémon est-elle en pleine forme? Sur la route, la santé de tes Pokémon risque d'être mise à rude épreuve. Alors je te donne ceci, mets-le dans la poche médicament de ton sac. Ça m'a toujours fait rire les trucs qui étaient en majuscule comme ça. Bref, il faut passer niveau 7, et je pense que le chaque épan de N n'a que rugissement et griffe, donc ça devrait être assez simple à mettre KO, hein, puisqu'il ne pourra pas toucher le nid. Mais j'ai quand même envie de monter niveau 7, parce que déjà mon attaque n'est pas géniale. Et donc un boost d'attaque ne ferait pas de tort. Je pourrais faire constriction. Donc je peux pas faire constriction contre cela, je suis obligé. Je peux pas faire. Ah ouais, non. Bon, j'ai rien dit, c'est pas grave, on va pas monter niveau 7 parce que ça prendrait trop de temps. On va déjà prendre beaucoup de temps à faire étonnement sur ça. On va faire étonnement sur le chat grippant. Pourquoi? Parce que étonnement est pas très efficace en effet, puisque l'attaque est du spectre. Mais ça a 30 de puissance. Et tandis que construction à 10 de puissance, donc
étonnement, ça va faire 30, stab et 45 divisé par 2, 22,5, tandis que constriction va faire 10, ce qui veut dire que constriction sera deux fois plus de deux fois plus de dégâts que non, étonnement fera deux fois plus de dégâts que constriction. Donc vaut mieux faire étonnement. Et toi, c'est vrai que les combats sont vitaux pour faire évoluer un Pokémon, mais n'oublie pas de le soigner au centre Pokémon lorsqu'il a perdu ses PV. Mais oui, bien sûr. Tu me prends pour qui? Oh, un Pokémon comme je t'envie. Moi aussi, je veux devenir dresseur. Hey, dresseur, combien as-tu de Pokéball? Si tu n'en as pas assez, tu peux acheter facilement à la boutique dans le centre Pokémon. Oui, bien sûr, sauf quand tu as zéro Pokédollar. Quelqu'un a dit les conflits naissent à cause des différences de point de vue. Un autre a dit ce sont les différences de point de vue qui permettent d'élargir nos horizons. Je suis sûr que l'un des deux a raison. Non, ça veut juste dire que les disputes élargissent l'horizon. Nous venons à peine de nous marier, mais j'ai remarqué que les hommes et les femmes étaient vraiment très très, très différents. Pourquoi les Pokémon mâles et femelles ont l'air assez semblables? C'est parce que tu regardes pas assez bien. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a certains Pokémon qui ça passe plus inaperçu que d'autres, hein, mais... Mais quand même. C'est parti pour le discours de Gettys, et je vais devoir refaire la voix de Gettys, j'aime bien la voix de Gettys. Melinda, viens un peu par ici. Écoutez-moi bien, mon nom est Gettys. Gettys de la Team Plasma. Je suis venu vous apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Hein, de quoi? Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraîne naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge! Songez-y, l'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Ne les avez jamais... Ah, j'arrive jamais à cette phrase. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes? Piquez tous sont les dresseurs. Ils asservissent leurs Pokémon, les accablant d'ordre. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs, taillables et corvéables à souhait. Si je ne dis pas la stricte vérité, que quelqu'un ose me contredire. Je sais pas. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres potentiels insoupçonnés. Nous avons tant à apprendre d'eux. Et donc, notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? Parfaitement, nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif, de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront pour la première fois vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien, et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement échue. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention, et que la paix soit avec vous, et avec votre esprit. Je suis désolé, c'est obligatoire. Hein. Après que la presse soit avec vous, il y a toujours et avec votre esprit. Mince alors, je sais plus quoi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? La libération des Pokémon a réussi durant l'aventure point. Hein. C'était la voix qui sert à rien mais qui n'apparaît que deux secondes. Et bonjour, nous avons N. N comme Nuzlocke ou N comme Natural Armand Agapus, qui est son nom en fait. Ton Pokémon, il m'a parlé. Dis-moi, tu es bien direct? Et l'un de mes Pokémon parlerait. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent. Mais vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous plains. Je m'appelle N. Moi, c'est Chiren, et voici Melinda. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex, et nous voici sur les routes. Et je présente Melinda, parce qu'elle est incapable de se présenter toute seule, hein. Même si mon objectif ultime est de devenir maître. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Vous allez savoir bien assitôt quand je deviendrai pas maître, parce que Melinda le sera à ma place, et en fait, même pas, parce qu'elle battra Gettys à la place de Goya. Le Pokédex, dis-tu? Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans les Pokéballs. Je serais sûr comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi? Ou Melinda, c'est ça? Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Combat contre N! Shelkypan, niveau 7. Contre Luni, au niveau 6. Je pense pas que ce Shelkypan est d'attaque de type ténèbre, donc pas aucune crainte à avoir. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est griffe. Et donc, on va faire étonnement. Et ça va prendre longtemps. Oh oui, surtout s'il commence à faire rugissement. Attention, aucun dégât. Voilà. C'est le combat le plus passionnant du monde. Enfin, oh. Beaucoup critique, très beaucoup critique, je dois dire.
et voici le truc. Il n'y a que 15 PP à étonnement, parce que en plus d'être une attaque à faible puissance, c'est une attaque qui a peu de PP. Donc bon, je vais devoir utiliser un construction à un moment, mais je pense pas que je tomberai à court de PP. Si c'est le cas, alors ça sera encore plus long, il y aura lutte et si ça se trouve je gagnerai même pas. Donc je ne pense pas que ça arrivera, parce que bon, ce choc répand n'a pas des PV infinis, il a probablement une vingtaine de PV, entre 20 et 25, quelque chose comme ça. Et là il fait que rugissement parce qu'il sait très bien qu'il peut faire que rugissement. En fait l'IA de haine est bonne. Donc il fait pas. Ah voilà, là il fait griffe parce qu'à mon avis je suis déjà à moins 6, quelque chose comme ça. Ouais voilà, j'avais déjà utilisé 6 trucs. Donc là je suis à moins 6 en attaque, donc il fait pas rugissement parce que ça sert à rien. Et il fait griffe, mais ça sert à rien quand même. Ah, c'est les choix du T-Spectre au début du jeu. Hein. Le seul problème c'est que bientôt il va avoir les ponchios qui vont arriver et eux ils ont morsure. Donc j'espère de tout cœur que Luni va apprendre très vite Tornade, je sais qu'elle l'apprend assez tôt normalement. Ça sera beaucoup plus facile pour faire les combats que avec étonnement, parce que voilà. Étonnement c'est quand même une très faible attaque, très mauvaise attaque. Mais malheureusement elle va devoir la garder assez longtemps. Je pense que Boudry va pas apprendre assez tard Vent Mauvais dans cette version. Bon, à la limite, une fois que j'aurai Ballombre, je vais me faire plaisir, hein, ça, je ne vous en cache pas, mais... Je ne vous le cache pas, plutôt, ça ne me fait rien dire, je ne vous en cache pas. Enfin, si, mais dans un autre contexte, alors. Allez, construction, oui, j'ai plus de étonnement. La 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 la. Il est très cool, le thème de N, j'aime beaucoup. Ah, la vitesse baisse, ah. Et... Yeah! Bon, par contre, maintenant on va avoir plus d'expérience que si on avait été niveau 7, parce qu'on était niveau 6, c'est ça qui est bien avec Noragar. Niveau 7, et c'est peut-être pas fini, vu l'expérience. Et pouf! Niveau 8! Ah ouais, ça c'est un beau niveau, un grand jump, entre guillemets, niveau. Comment certains Pokémon parlent ainsi de ce dresseur? Oui, N parle vite, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il parle plus vite que la vitesse à laquelle vous avez mis le texte. Donc c'est pour ça que je le fais parler vite. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon et pour eux je dois changer le monde. Au revoir. Quel drôle de type. Bon, c'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aiment mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'en ai hâte à découdre avec le champion d'arène. Toi aussi affronte des champions. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. C'est cela la clé de la réussite. Oh. Visitons un peu Arabelle avant d'arrêter l'épisode. Quel paysage et cette musique, j'adore cet endroit, ça me rend euphorique. Alors la musique, il entend sûrement la musique d'Arabelle comme nous l'entendons vraiment, ce qui veut dire que ce serait un peu bizarre, mais non, il l'entend parce que la musique est prête par peut être faite par ces deux personnes ici. Tu veux écouter de la batterie? Ouais, je jouerai de la batterie, tant que mon cœur battra à la mesure, je jouerai encore, encore et encore. Et maintenant il y a de la batterie dans la musique. Et le piano c'est encore mieux. Puis-je te jouer un air que j'aime particulièrement? Oui bien sûr. Alors écoute bien. Et voilà le piano en plus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui donne une Pokéball dans le truc. Donc. Je vais t'apprendre un truc bien utile, d'accord? Tu peux avoir jusqu'à 6 Pokémon dans ton équipe en même temps. Bon, bah, je le savais, mais c'est en effet, c'est bien utile. Sur la route 2, il y a des dresseurs de Pokémon à l'appel. Ils les élèvent en les faisant combattre. Oui, je sais. Mais en fait, à l'appel, il y en a que 3. Moi je sais, un Pokémon ne peut retenir que 4 capacités à la fois. Oui, sauf dans le dessin animé. Dans le dessin animé, yo. Jamais les Pokémon ont été montrés en train d'oublier des capacités. Et il y a déjà eu un Pokémon qui avait 10 capacités en même temps. Ça ne choque personne. Des Pokémon faibles, forts, imposants ou juste mignons, il y en a de toutes sortes qui n'attendent que de te rencontrer. Et oui. Ouah, tu as un super sac où tu pourrais mettre plein de choses. Même un vélo. Tu devrais en profiter et faire le plein de potions. Oui, mais j'ai pas assez d'argent. Merci. Merci, rappelle-moi que j'ai 0 Pokédollar, ça fait plaisir. Les Pokémon donnent tout ce qu'ils ont pour les humains. Et les humains, en retour, leur donnent leur amour et vivent avec eux. Et aussi une machine qui les soigne instantanément. Je sais pas si vous oubliez ces trucs-là.
Je pense que c'est comme ça que nous pouvons vivre en harmonie. Bah oui, bah va dire ça à N. Même si un Pokémon est déjà robuste, il deviendra encore plus en se battant. C'est vraiment super d'aller à l'aventure. Oui, c'est pour ça que tu restes dans ta maison 24h sur 24. Un Pokémon faible peut devenir fort si tu l'élèves bien, et surtout avec beaucoup d'affection. Il était une fois un héros qui a espéré le monde. Eh ben, il y a un Pokémon qui est apparu près de lui pour l'aider. C'est une légende du Nice. Oui, bon, il y a des légendes à peu près pareilles dans à peu près toutes les civilisations qui existent. Radonjif, bonjour. Ceci est une Pokémon que j'ai trouvée il y a longtemps, mais je devrais peut-être te la donner. Est-ce qu'elle a une valeur sentimentale? Si oui, je n'hésiterai pas à l'utiliser sans vergogne. On joue au feu plan haut. Oh, oui, bien sûr. 1, 2, oh! Et elle a dit feu. Hey, j'ai gagné. Je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais perdre et je serai pas content. C'est pas. J'ai dit oh parce que c'est mon type préféré. Fils de type. Mais le type spectre, c'est bien aussi. Et puis Melinda, elle, son type préféré, c'est le type spectre, bien sûr, sinon elle ne ferait pas. Elle ne ferait pas ça. Elle va pouvoir remplacer Chimera dans la région de Sinnoh. Mais avant. Il ne reste une personne à qui on n'a pas parlé dans cette ville, et c'est elle. En étant sauvé, tu peux sauvegarder ta progression, et aussi prendre une pause bien méritée. Eh bien écoute, c'est ce que je vais faire, juste après m'être soigné au centre Pokémon. Enfin, avoir soigné Lumi, évidemment, Melinda elle-même, ni moi, ne sommes soignés. Et je vais sauvegarder, puisque c'est la fin de l'épisode, il a duré assez longtemps, mais comme ça, le début est fait, j'ai envie de dire. Il va falloir encore faire des combats très très longs, qu'on est attentif de Gamma Ezem notamment, avec Ligotage. Mais ce sera pour la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 4.2 de 18. Bouh. Ouais, c'est pas la fin en fait. Non, je rajoute ça après, parce que je voulais montrer deux petits dessins que m'a fait Lattice. Vous voyez, ça c'est Frigo, et ça c'est Melinda. Et je trouve ça cool, parce que c'est super bien fait, et que c'est cool. Donc merci à elle, et en parlant de dessin, Guinfrex Miel, que vous connaissez peut-être si vous regardez les vidéos de combat que je fais sur la 6G, fait un artbook, et fait des dessins aussi sur à propos de Pokémon, qui sont très chouettes aussi, donc je vous encourage à les voir, je les mets pas ici, parce que comme ça vous devriez aller voir la vidéo, pour les voir, parce que voilà, ça le mérite. Donc, allez voir ça, les dessins, c'est cool. Hein, bon, moi, je peux pas dessiner, mais j'ai quand même des beaux dessins. Donc, merci Lattice, merci Guinfrex, et voilà, maintenant, c'est vraiment la fin.